Hey, yo la gang famille, j'espère que vous allez bien venir dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo très spéciale. En fait, c'est le commencement d'une nouvelle aventure parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un décor. Voilà les amis, ça fait depuis un moment que je rêvais d'avoir un décor. Donc pour le moment, c'est pas le décor définitif. On va dire c'est un début de fond de vidéo YouTube. En tout cas, ça me fait trop plaisir de pouvoir me poser et enfin discuter avec vous. Je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup fait de vidéos de vlog où je partageais mes aventures, je vous emmenais avec moi à l'extérieur, etc. Vous faire découvrir un peu, vous faire voyager et découvrir la Polynésie. Et là, j'ai décidé de changer de cadre, de mélanger un peu tout ça avec des vidéos. On est posé, on discute entre toi et moi, voilà. Bah, en fait, j'espère que tu vas bien, voilà. Dis-moi en commentaire si ça va de ton côté. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous laisser avec une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. C'est un moment passé avec mes grands-parents au Kassang. Mais qu'est-ce que le Kassang? Le Kassang, c'est la fête des morts. C'est une vidéo que j'ai filmée il y a quelques semaines. Franchement, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas eu beaucoup de motivation à monter les vidéos. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce format-là parce que c'est plus facile pour moi. Je sais pas, j'avais besoin de changer des vlogs. Je voulais faire quelque chose de posé avec un fond derrière et vous montrer aussi en même temps des vidéos à extérieur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous allez aimer. Et puis on se retrouve juste après ça. C'est parti, let's go. Hey, yo les amis, j'espère que vous allez bien vers cette nouvelle vidéo dans ce nouveau vlog. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ce matin, j'ai été faire du sport et là maintenant, on va aller au Kassang. Je ne sais pas si vous connaissez le Kassang, c'est une tradition chinoise ici à Tahiti. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Je crois la dernière fois que j'ai fait le Kassang, j'avais 6 ans. Voilà, maintenant, j'ai plus 6 ans. Je suis curieux de cette tradition-là et je trouve que c'est important de se rapprocher de cette culture-là. C'est plutôt les personnes âgées qui le font souvent parce que les jeunes ne sont plus intéressés par ça. Je voulais vous emmener avec moi, vous faire partager cette culture et puis on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally. Voilà les amis, on est actuellement sur la tombe en fait des parents de mon grand-père. Et puis là ils sont en train de faire la préparation de la cérémonie, si je puis dire. Là, ça fait beaucoup, hein. Eh ben, on va dire, hein. 100 milliards. 100 milliards, pas. 100 milliards. Ah, je partage, il n'y a pas milliards. Hein, non, Koum, t'as pas milliards. Partager. Thank you.
Are you all my personal? Voilà les amis, de retour à la maison. J'espère que vous aurez apprécié ces images-là. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir passer ce moment-là avec mes grands-parents. C'est un moment très spécial. Là, nous avons rendu hommage aux parents de mon grand-père, voilà, son papa et sa maman. On brûlait de l'argent, on brûlait des vêtements, on servait du vin pour que tout ça monte au ciel et pour qu'on les apporte richesse, protection, bienveillance. Voilà, mon grand-père a fait des prières. En tout cas, ça m'a beaucoup touché de voir ça. Comme je l'avais dit dans la vidéo, ça faisait un long moment que je ne suis pas retourné faire le K5 avec mes grands-parents, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'intéresse plus trop la jeunesse d'aujourd'hui. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsqu'on est revenu pour manger, il y a mon grand-père qui m'a dit qu'il est triste parce qu'en fait, il sait pas. Il m'a dit, mais qui va s'occuper de sa petite maison? Il m'a fait ça, il m'a sorti ça comme ça. Qui va s'occuper de ma petite maison? Et donc, du coup, je regarde ma grand-mère, j'ai dit, mais qu'est-ce que Koum-Koum, il... En fait, Koum-Koum, ça dit grand-père. Qu'est-ce que Koum-Koum, il raconte du coup? Et ma grand-mère, elle a dit, sa petite maison, en fait, ça signifie. Le cimetière, c'est-à-dire là où il sera enterré. Il se demandait en fait de qui ses enfants ou ses petits-enfants allaient s'occuper, parce que comme on voit qu'on n'est pas très intéressé par tout ça. Et voilà, ça m'a beaucoup touché qu'il pense déjà à ça. Mais après, je l'ai rassuré, j'ai dit ne t'inquiète pas, il y aura au moins un de tes enfants, un de tes petits-enfants, peut-être moi, voilà, peut-être les autres aussi, mes cousins, mes cousines, qui vont s'occuper de toi, qui vont s'occuper de ta petite maison, entre guillemets. Voilà, j'étais très ému en fait de vivre ça et de partager ces petits moments-là avec lui, enfin ces grands moments, parce que c'est quelque chose de hyper hyper important pour lui. Chaque année, c'est obligé, chaque année il va au cimetière avec ma popo. Voilà, c'est aussi le petit message que je souhaiterais faire passer aussi à travers cette vidéo, c'est que voilà, les grands-parents sont pas éternels, et profiter à fond de ces petits moments avec eux, parce que voilà, c'est des moments juste inoubliables qui resteront gravés à jamais dans votre cœur et dans votre mémoire. Alors les amis, le but de cette vidéo, c'est quelque chose que vous attendez depuis très 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 longtemps. En tout cas, vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages. C'est quand que je vais faire une foire aux questions. Une FAQ. Ouais. Voilà les amis, je profite de cette vidéo, la Gang Family, de me poser toutes vos questions sur cette vidéo-là. Voilà, cette vidéo, ça sera la vidéo de foire aux questions. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez dans les commentaires. Vraiment tout. Je répondrai à toutes vos questions dans une prochaine vidéo avec ce cadre-là, ce magnifique cadre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager également cette vidéo-là pour toutes les personnes qui veulent me connaître un peu plus. Aujourd'hui, le pouvoir est entre vos mains, c'est-à-dire que vous me posez toutes les questions que vous voulez en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, c'est celle où je réponds à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez juste en bas de ces commentaires là, et puis j'y répondrai à la prochaine vidéo. Alors les amis, sans transition, je voulais vous faire un unboxing. Ça va être un unboxing de chez L'Occitane. Voilà, je voulais vous montrer les différents produits que j'ai reçus. Tout d'abord, il y a cette pâte modelante cheveux. Je fais ma youtubeuse beauté. Là, c'est une pâte modelante pour les cheveux et ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est tout blanc. Oh là là, ça sent super bon les amis. Oh, regardez-moi la texture. En fait, c'est pas vraiment une pâte solide, elle est un peu plus une pâte comme une crème en fait, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je pourrais pas laisser ce soir parce que vous voyez, il y a Mr. John qui est déjà passé par mes cheveux et qui m'a déjà coiffé. Je vous partagerai une story sur Instagram. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, Teddy Jean T,
allez tout de suite me suivre, voilà, pour pas rater tout ce que je fais tous les jours. En tout cas, j'ai hâte de tester cette pâte-là. Et merci à l'équipe de L'Occitane pour cette magnifique pâte modelante pour les cheveux. Et ensuite, les amis, prochain produit, c'est un kit pour les hommes. Ce sont les essentiels hommes de chez L'Occitane en Provence. Alors, je me souviens, l'année dernière, ils avaient fait la même chose avec des décorations de sapin de Noël avec beaucoup de produits femmes. Et cette fois-ci, je crois que c'est leur première box pour hommes. Je suis super content de pouvoir vous présenter ça. Ça ressemble à un sapin de Noël. Vous savez quoi? Ça peut être une jolie décoration pour mon fond. Regardez, je vais le mettre par ici, là. Ça fait partie de mon prochain décor, les amis. Dans la prochaine vidéo, vous allez retrouver ça dans mon décor. Je vais le mettre là. À l'intérieur, il y a différents produits. Je crois qu'il y a 3 produits. Et pour ceux qui veulent garder la surprise, du coup, faites sur pause la vidéo et avancez parce que je vais vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ceux qui veulent savoir à l'intérieur, restez sur cette vidéo. Alors, premier produit. Waouh, ça sent juste super bon. Le premier produit qu'on peut trouver, c'est un soin du visage fluide énergissant. C'est une crème hydratante. Je l'ai déjà testé celui-là et franchement, je l'adore carrément. Attendez. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est bien celui-là. C'est super hydratant et en fait, c'est ce que je mets le soir et le matin également. Mais je préfère mettre le soir parce que le soir, ça a une odeur juste incroyable et ça m'aide à mieux dormir aussi. Ensuite, il y a un savon extra doux. Et le dernier produit qu'on a, c'est un crème pour les mains. Et ça, j'ai jamais testé du coup la crème pour les mains et j'adore les crèmes pour les mains. Je me souviens aux États-Unis, L'Occitane m'en avait fourni un, mais c'était pas celui-là. Et, ah ouais, mais regardez la texture, elle est juste top. J'adore, j'adore. Oh my god, les amis, ça sent super bon. Plus j'en ai besoin parce que regardez mes doigts. Voilà, regardez mes doigts, les amis. Ils sont très, très, très manches. Donc, du coup, ça va beaucoup me servir. Et d'ailleurs, bonjour au bouton qui est là. Il vous dit salut. C'est bizarre. À chaque fois que je dois tourner une vidéo, il y a toujours un bouton qui sort par-ci, par-là. Mais bon, c'est pas grave. On est entre nous. On est entre la gang family. Entre famille. Donc, du coup, le tout est fourni dans une magnifique boîte qui ressemble à un sapin de Noël. Et puis, vous avez le petit bandeau là qui vous permettra d'accrocher sur votre sapin. Ou je le mettrai dans mon décor ici. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo sur comment j'ai monté ce décor là. J'ai eu besoin de l'aide de beaucoup de personnes parce que vous savez que je suis pas très très habile de mes doigts à part pour taper sur l'ordinateur, écrire un stylo, bref, on s'en fiche. Voilà, donc du coup j'ai demandé de l'aide à un peu tout le monde pour m'aider à faire ce petit décor là. Voilà les amis, merci beaucoup à L'Occitane pour m'avoir envoyé ces produits là. J'ai trop hâte de les utiliser et j'ai trop hâte aussi de découvrir la sélection de Noël parce que je suis sûr qu'ils vont faire un truc de ouf. Ah mince, j'ai oublié un truc les amis. Alors c'est de la verveine mandarine mousse de douche shower room. J'ai l'impression du coup c'est pour la douche et pour ce, je sais pas c'est quoi en fait, le truc, c'est comme la chantilly. Ok, d'accord les amis, j'ai compris. Ça sent super. Oh, j'en ai mis deux fois. Ouais, c'est quand même cool. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, je sais pas si vous allez le sentir. Oh là, c'est pas joli dans ma main et tout, mais en fait c'est de la mousse. Et en fait, tu te douches avec, si j'ai bien compris. Oh là là, mais je sais pas, ça part où cette vidéo-là, les amis. Bref. Donc voilà, c'est ça, j'irai tester tout à l'heure, à la douche. Et comme j'ai dit, j'ai trop hâte de découvrir votre collection de Noël parce que je sais que ça va envoyer du lourd. Et vous savez, les amis, que la période de Noël, c'est l'une de mes périodes favorites de l'année. J'attends ce moment avec impatience tous les ans. Cette année, c'est un peu différent avec la situation actuelle que l'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de la situation actuelle, j'aimerais vous partager une citation que j'ai vue sur Instagram. Mon petit cahier a aidé. Citation de Anthony Ruiz, donc si jamais tu passes par là, yo. Je suis spectateur de la vie qui passe, acteur de mes décisions, debout toujours face au vent. Je ne sais pas où je vais, mais finalement, qui le sait vraiment? Cette période est compliquée, la vie l'est encore plus. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'envie. Alors il faut être patient, un jour on s'en sortira. Je trouvais ce texte-là juste magnifique, je voulais partager avec vous. Et puis d'ailleurs, si vous aussi vous avez des citations, des textes positifs qui donnent de la joie, de l'amour d'humeur, qui donnent nostalgique ou qui vous touchent énormément, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et peut-être que je choisirai une de vos citations pour la partager dans la prochaine vidéo ici avec ce magnifique décor. Je pense que le mot décor, je l'ai dit plusieurs fois, mais je suis tellement fier de ce décor-là. Bon, pour le moment, franchement, il n'y a presque rien. J'ai mis toutes les décorations en fait qui concernent un peu ma chaîne YouTube. Comme par exemple ce magnifique cadeau qu'on m'a offert, c'est mes Lani, où il y a c'est ma chaîne YouTube Teddy Janté. Je vous ai également mis des lumières parce qu'en fait notre vie est colorée. Ouais, non, j'ai pas trouvé mieux parce que je trouvais ça joli en fait. Il y a ma raquette ici, raquette de taekwondo.
Le sport fait partie de ma vie. Le taekwondo fait partie de ma vie. Avec ma ceinture noire de taekwondo ici. J'ai mon sac en paoré. Je pense que dans la prochaine vidéo, vous allez voir ça au fond de mon décor. Parce que je trouve ça juste magnifique. Et en plus, ça rappelle Noël. Et je pense que nous allons orner tous ensemble la gang family. Si vous voulez bien, ce magnifique fond de vidéo YouTube. Je compte sur vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des cadeaux à me faire, n'hésitez pas à m'offrir. J'aimerais bien exposer un peu. Parce que ce mur-là, franchement, je pense que c'est notre mur. Cette aventure-là, nous la vivons ensemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette chaîne YouTube. C'est pour que nous puissions partager tous ensemble. Parce que plus qu'une communauté, nous sommes une famille. On s'appelle la Gang Family. Et merci de faire partie de cette famille-là. Ça me touche énormément. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur tous les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube. On va bientôt atteindre les 4000 abonnés, c'est un truc de fou. Et franchement, on s'est donné avec la gang family un challenge d'atteindre les 4000 abonnés pour Noël, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube à tous vos amis, que ce soit votre papa, à votre maman, à vos frères, à vos soeurs, à votre cousin, à votre cousine, à vos copains, à vos copines, à tout le monde. Franchement, n'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube Teddy Janté. Je vous prépare plein de surprises pour cette fin d'année, donc je compte sur vous les amis pour à fond partagez cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et profitez, le plus important, profitez de cette vidéo pour me poser toutes vos questions parce que c'est une vidéo foire aux questions. Donc, les amis, la gang family, je compte sur vous pour me poser toutes les questions en commentaire. Je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Et puis, j'ai trop hâte de vous retrouver. Alors les amis, je vais vous montrer ce que je porte. Donc, il s'agit d'un t-shirt de chez Kokai. Voilà, juste ici. Moi, je prends la taille S. Vous pouvez prendre aussi médium aussi. Je mesure 1m75. Et puis, j'ai un short ici de chez Weimansport. Nike, la marque Nike. Merci encore une fois du fond du cœur, les amis, la gang family, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous le bouton rouge, d'activer la cloche de notification pour une prochaine vidéo et puis de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires. J'ai trop hâte de vous lire, j'ai trop hâte de vous répondre. Les amis, je compte sur vous, partagez cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, les amis, la gang family, prenez soin de vous, Maruru, Nana. Et à bientôt, ciao. Oh, pshou.